Bonjour à tous, c'est Stardust Dragon Full et aujourd'hui on se retrouve donc pour faire un tout nouvel unboxing et review de la superbe édition limitée B00 Grand Valkyrie Zenith Hold Dash 10. Donc c'est une toupie WBBA Beyblade Burst GT de chez Takaratomy qui est sortie le 27 avril 2019. Donc là ils ont sorti une version de type attaque, je trouve ça un petit peu bizarre, donc avec un layer qui est normalement de type endurance. Et en fait, pourquoi ils ont choisi ces couleurs? Ben, c'est très simple. C'est en rapport en fait à une équipe de baseball japonaise, les Omiuri Giants, qui ont été fondés donc en 1934 et évoluant dans la Central League. Donc, c'est une équipe qui est vraiment très très connue au Japon. Et comme là, vous pouvez voir donc leur mascotte, qui est vraiment superbe, je trouve. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une toupie Beyblade Burst GT, déjà rien qu'à la boîte. On le voit ensuite avec les différentes pièces, bien sûr. Donc, c'est bien une B00, donc de l'équipe Yomiuri Giants de chez Takaratomy, la WBBA. Donc, ensuite, au dos, comme d'habitude, nous avons donc les caractéristiques. Donc, nous avons donc la Gachiko Chip qui est Valkyrie, la Weight qui est 10 et la base qui est grande. On a donc comme disque Zenith et comme driver on a Hold Dash. Et maintenant passons à l'ouverture. Et donc, comme d'habitude, nous avons donc en premier la notice explicative. Voilà, comme ceci. Là, il nous montre donc comment monter le layer. Ainsi que l'emplacement donc des stickers. Donc ensuite nous avons les stickers. Donc voilà, il y en a très peu, donc c'est vraiment super. Ça devrait rendre vraiment pas mal, mais déjà vous allez voir qu'elle est vraiment magnifique de base. Et là maintenant partons donc à la présentation donc de l'abeille. Donc tout d'abord on va retrouver donc la Gachiko Chip Valkyrie. Et qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Elle est juste sublime. J'aime beaucoup cette couleur, je trouve que ça rend super bien. Donc les dents, on les connaît déjà. Donc elle fait un poids à 2. Ensuite on va donc retrouver la weight. Donc voici la weight 10. Qui est assez équilibré. 3 étoiles. Et donc elle pèse 28. On va retrouver donc la base. Donc voici la base grande. Superbe. Elle est superbe.
Mais j'adore. Elle est vraiment super sobre, là, elle se noire. Et c'est un orangé rouge là qui est magnifique. Donc ça va nous donner donc pour le layer. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc je crois que ça risque d'être l'une de mes baies favorites. Ensuite, on a donc le disque Zenith, qui pareil, qui est magnifique. Ce jaune orangé avec ce noir, donc des petits bouts en caoutchouc blanc. Là, pour une fois, ils avaient mis du jaune partout, enfin presque sauf sur le fond, mais ils en avaient mis en bas, c'est dommage. Ce qu'ils auraient dû faire sur toutes les autres disques Ricolor. Et ils pèsent donc. Et enfin, on a le driver Hold Dash. Donc, driver de type attaque. Avec une partie flexible qui tourne. Donc le système Dash, normalement avec un ressort, qui est vraiment plus dur. En effet. Donc ça nous donne une fois montée. Et la voici donc montée avec ses stickers. Donc ça va être. C'est sûr, l'une de mes baies favorites. Elle est juste sublime. Passons au test. Donc j'espère que vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas du café et d'activer la cloche. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas donc à aller sur mon Tipeee et à aller voir des petits clips vidéo. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne.